Lui n'est pas un homme d'affaires, mais son travail lui a valu également une reconnaissance. L'ancien président de la Commission nationale électorale indépendante, Maître Barthélémy Kéré, reçoit une décoration du Vatican. À travers cette décoration, le Saint-Siège salue les efforts de l'homme qui a réussi l'organisation des élections en 2015 au Burkina Faso. La remise officielle de la médaille est intervenue hier à Ouagadougou. Nous suivons l'ambiance avec Daouda Ouattara et Maxime Zongo. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a en effet été fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean-Grégoire, le plus grand insigne décoratif que le souverain pontife puisse conférer à un récipiendaire en reconnaissance du service extraordinaire rendu. C'est un sentiment de joie avec l'ensemble de mes collègues parce que je ne savais pas qu'il y avait des décorations qui venaient du pape. Et lorsque j'ai été informé de l'épiscopal, il y avait effectivement une décoration qui émane du Saint-Père. J'ai eu un sentiment de fierté, bien entendu. Et lorsque nous en avons parlé avec les différents collègues, ils se sont vraiment réjouis qu'au-delà de notre pays, le Saint-Père lui-même a été attiré par le résultat effectivement que nous avons produit effectivement entre 2015 et 2016. Pour Mgr Paul Ouédraogo, cette décoration est dédiée à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à la bonne tenue des élections de 2015. Il a par conséquent invité le peuple burkinabé à préserver les acquis de l'insurrection, notamment la démocratie. Le message que nous voulons faire entendre, c'est que en fait, il est possible, à toute personne qui s'engage, j'allais dire, au service de son pays, de donner d'abord le meilleur de lui-même. Et au fond, de s'engager à promouvoir des valeurs qui sont essentielles au niveau de la consolidation de la démocratie, les valeurs aussi de concertation, de collaboration, et les valeurs également d'équité. La cérémonie de remise de décoration s'est tenue en marge de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale Burkina-Niger qui se tient présentement à Ouagadougou.